Hey, salut tout le monde, c'est Barry, un cher et enfumé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau test. Donc, on va aller dans les côtés les plus sombres de la chicha. Attention, les amis, on va tester le Alpha Care Pipe. Wouh! Hop! Voilà, Alpha Care Pipe, les gars. Donc, comme vous pouvez le voir sur le packaging, magnifique pipe. Bien dégueulasse, genre. Putain! Bon, faut que je me mette aux baseball, les gars, parce que ça fait. Sur la deuxième vidéo que j'arrête mon lancer là, ça va pas, c'est pas bon là. Bon, Alpha Care Pipe. C'est un 50 grammes acheté sur ça, Smoke. Il y a toujours l'offre promotionnelle, 25 achetés, 15 offerts. Donc pour les Alpha Care en 50 grammes. Si vous voulez tester comme moi, plein d'Alpha Care, c'est vraiment intéressant. Pour le tabac, donc, on a un tabac. Je vous le dis franchement, je le teste un peu à contre-cœur. Hein. Je fais ça juste pour faire le test pour que les gens savent. C'est craqué comme dans les films, genre. Donc on a un tabac rouge, bien gras, pas trop juteux, une découpe assez basique de chez Alpha Care au niveau de l'odeur. Alors on a une odeur. On a un mélange de cigare et de chocolat. On a vraiment ce mélange. Cigare, chocolat. Ouais, cigare et chocolat. Donc, me demandez pas pourquoi. Moi, je travaille pas chez Alpha Care, ok. Pourquoi dans le goupil, ils ont mis du chocolat, ok. Mais ça sent ça. Et ouais, on sent bien le cigare. Genre, on ressent une bonne odeur de tabac. Bien costaud, quoi. Bon. On va tester ça, les amis, on est obligés. Donc on va tester ça sur la PNX 480 Brass Click de chez Kaya, Bass Bubble, un Sword. Ensuite, on a pris le foyer, je me rappelle même pas de son nom. C'est quoi le nom déjà du foyer? Towerball de chez El Badja, un calou de Lotus avec deux coco bricots. On se la fait tranquillou parce que voilà, il faut être déter pour fumer ce genre de tabac. Allez, on va tester ça. Je fais ça pour vous, je le dis. Donc, au goût, on a quoi? On a un goût au début, on se dit ça va, on fume du chocolat. Bon, même si l'Alpha Care chocolat, franchement, voilà quoi. Ouh! Au début, on se dit ouais, voilà, on fume du chocolat, ça va. Mais au fur et à mesure des lattes, là, on commence à constater que on vire plus sur un goût de cigarillo à la vanille, enfin, un cigarillo simple sans vanille, voilà, pour vos. Un goût bien corsé. Oh. Là, j'ai mon collègue qui vient me montrer du Alpha Care Rose, l'air de dire ouais, calme-toi, il y a pire dans la vie. Mais pour ce tabac, franchement, genre, on a un goût de cigarillo bizarre, genre, un peu chocolaté, genre, putain, j'ai l'impression que le mec, il a trempé son cigare dans du Nutella et après, sans, je sais pas, genre, faut m'expliquer, voilà, c'est ça que je reproche à Alpha Care, de faire des tabacs bizarres comme ça, là, voilà, ça met hors de moi, comme dirait Ben Gouz. Non, franchement. Je sais pas, c'est un goût, voilà, un goût de tabac bizarre, un goût de cigare, avec une pointe de chocolat bien dégueulasse, genre. Au début, ça passait, mais là, franchement, là, on a une demi-heure de session, là, faites vos jeux, les gars, c'est plus gérable, là. C'est ouh! Ouh! En tout cas, ce tabac, ce qui est bien, c'est qu'il fait une belle fumée et qui résiste pas à la chaleur. Pardon, qui résiste à la chaleur, c'est-à-dire que franchement, au niveau, on n'a pas mis beaucoup, enfin, j'ai pas mis beaucoup de tabac et ça fume plutôt bien. Et puis, franchement, là, je peux enquiller sur 1 heure. Après, franchement, il faut que je sois en dépression pour fumer du pipe pendant 1 heure. Hein. Bon, voilà, les amis, est-ce que je vous conseille ce tabac, le Alpha Care Pipe? Je vais vous dire. Je vais dire un grand oui.
Un des meilleurs tabacs, meilleur que l'Absolute Zéro, là, c'est le tabac de l'été. Il est là, il est là, il est là. Non, je rigole. Non, pour faire plus sérieux, franchement, voilà, il est pas bon. En soi, il est pas bon. Je vous conseille pas, genre. Je vous conseille pas. Il a pas un bon goût. Voilà, on a un goût bizarre de chocolat mélangé avec du cigare. C'est pas bon, genre. Par contre, j'ai vu que les Allemands ils se butent au cigare, Alpha Care cigare mélangé avec de la vanille, ça passe crème à ce qu'il paraît. On va voir ça. On va commander du cigare pour voir ce que ça donne. Mais pour le pipe là, franchement, je vais vous dire non. Je vais vous dire non. Même si c'est un peu un goût de chocolat, mais voilà. Si vous voulez fumer du chocolat, fumez du mint chocolate chill de chez Fumari. Genre celui-là, c'est vraiment de la frappe, genre niveau chocolat. Mais là. Là, c'est pas ça. Bon, les amis, c'était le test du Alpha Care Pipe, un tabac, on va dire en fin de vidéo un peu délire, parce que c'est un tabac pas bon, hein. Pas bon du tout. Bref, je vous invite à liker ma page Facebook, vous abonner à ma chaîne YouTube, Barry Chicha. On est toujours là, on teste de la merde, comme vous pouvez voir. Voilà, on fait notre taf. Merci à tous les gens qui s'abonnent. Je vais faire une dédicace à un type. Genre, je vais faire une dédicace à ce type parce que je suis obligé. C'est Emric. Donc, Emric, je te fais une dédicace. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai fait Barry Chicha, tu es le seul à liker tout ce que je fais. Tu likes tout ce que je fais. Donc, Emric, je te ferai une grosse dédicace. Je te marquerai la vidéo pour que tu la vois. Voilà. Donc, je pense que tu vas être dégoûté parce que je te fais une dédicace sur du pipe. Mais je te fais une dédicace, mon gars. Voilà, donc merci à toi parce que tu me soutiens beaucoup dans ce que je fais. Franchement, genre t'es le premier, genre je poste une vidéo, tu la likes, genre t'es un genre de sniper de chez Barry Chicha. Voilà, je vais te faire une t-shirt marqué sniper de chez Barry Chicha. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse vie. Et puis on se retrouve à une prochaine vidéo. On va essayer de tester quelque chose un peu différent quand même. On va voir. Ou notre chicha, on va voir. Bon allez, on va se quitter sur deux lattes et à plus.